Salut à tous, c'est Alias. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo particulière car je vais vous présenter le top 5 des histoires les plus effrayantes d'Internet. Que vous croyez ou non à toutes ces histoires, il est encore temps de rebrousser chemin. Surtout s'il fait nuit, la vidéo risque d'être encore plus angoissante. Commençons tout de suite par l'histoire du Suicide Mousse. D'après la légende, il y aurait un épisode perdu de Mickey Mouse créé par Walt Disney qui serait en fait un épisode maléfique. Cet épisode fut créé pendant les années 30. La légende raconte que l'un des membres de l'équipe de Walt Disney se serait suicidé après avoir visionné cette vidéo. La vidéo en question est un loop. Il s'agit d'une séquence qui passe en boucle. Dans cette fameuse séquence, on peut y apercevoir Mickey qui défile pendant 5 à 6 immeubles pendant 2 à 3 minutes avec une musique qui n'est qu'une sorte de claquement continu sur un piano. Avant de disparaître et de laisser place à un fond noir. Dans cette vidéo, Mickey n'a rien du Mickey joyeux et souriant que l'on connaît. Dans la vidéo, Mickey ne danse pas, il ne sourit pas. Il se contente de marcher sans s'arrêter comme vous et moi, avec un regard triste et malheureux. Jusqu'à récemment, on pensait que la vidéo se terminait une fois que Mickey disparaît et que l'écran devienne noir, mais un membre de l'équipe assistant d'un des plus hauts cadres de Walt Disney de l'époque rapporte une autre version que voici. Après que l'image devienne noire, elle le restait jusqu'à la 6ème minute. Et la séquence vidéo recommençait. Mais la musique était différente cette fois. C'était une sorte de murmure. Ce n'était pas des mots, mais plutôt une sorte de gargouillement ou de pleurs. Au fur et à mesure, le son devenait de plus en plus indéfinissable. Et à la minute suivante, l'image commençait à devenir étrange. Mickey marchait en ondulant, faisant de son corps des mouvements physiquement impossibles. Ensuite, son regard triste laissait lentement place à une sorte de sourire narquois. À la 7ème minute, le murmure se transformait en un cri à glacer le sang. Le genre de cri qui faisait mal à entendre. Et l'image devenait plus sombre. Des couleurs apparaissent sur l'image, ce qui n'était pas censé être possible à l'époque. Je rappelle que nous étions dans les années 1930. Le visage de Mickey commençait à se déformer, ses yeux se retrouvaient en dessous de son menton et son sourire narquois à l'envers se retrouvait sur la partie gauche de son visage. Les bâtiments se déformaient et commençaient à flotter dans les airs. À ce moment même, le responsable qui était chargé de visionner la vidéo lors de la projection quitte subitement la salle, envoyant un employé visionner le reste de la vidéo à sa place. L'employé en question avait pour but de visionner l'épisode jusqu'à la dernière seconde, puis de décrire chacun des moments qui le composaient pour ensuite placer la bobine dans la chambre forte pour que l'épisode reste en sécurité et que plus personne ne puisse le regarder. Lorsque l'employé en question visionne la vidéo jusqu'à la fin, il arrive vers la 8ème minute et des cris dérangeants laissent place brutalement au visage de Mickey qui est présent à la fin des crédits de l'épisode avec un son de boîte à musique défectueuse. Ceci pendant environ 30 secondes. Quoi qu'il ait pu se passer pendant les 30 dernières secondes, nous n'avons pas d'autres informations concernant cela. Quoi qu'il ait pu se passer, en tout cas, un agent de sécurité qui faisait sa ronde s'est placé devant la porte et juste après, l'employé pris de panique sortit par la porte, prit l'arme de l'agent de sécurité et se tira une balle dans la tête. Connaissez-vous le film L'Exorcisme d'Emily Rose ? Ce film s'est inspiré d'une histoire malheureusement vraie, c'est celle d'Agnès Michel. Agnès Michel, née le 21 septembre 1952, est une jeune femme allemande catholique, sur laquelle furent pratiquées plusieurs dizaines d'exorcismes et qui mourut au bout de 8 années de maladie, pour certains à cause de la possession, pour d'autres après avoir notamment cessé de s'alimenter. En 1968, elle commença à trembler violemment et à ne plus contrôler son corps. Lors de ces crises, elle perdait la voix et ne pouvait plus appeler ses parents pour leur demander de l'aide. Un neurologue diagnostiqua qu'elle souffrait d'épilepsie et elle fut admise à l'hôpital pour un traitement. Après ses premières attaques, elle vit des visages démoniaques dont elle attribua le nom de Fratzen. Elle entendait aussi des voix, Agnès en parla au médecin qui ne savait plus comment l'aider. Au début des années 1973, les parents d'Agnès demandèrent à plusieurs prêtres d'exorciser leur fille. En 1974, un prêtre l'examina et accepta qu'on lui pratique un exorcisme, mais sa hiérarchie lui interdisait. Son état alors empira et les crises devenaient de plus en plus violentes. Elle insultait les membres de sa famille, les battait et les mordait. Elle refusait de manger car les démons ne lui permettaient pas de le faire. Elle dormait à même le sol. On pouvait l'entendre toute la journée en train de hurler, de briser les crucifixes et de détruire les peintures représentant Jésus qui étaient présentes dans sa maison. Un curé local porte l'affaire devant l'évêque Joseph Strangle, qui accepte l'exorcisme en 1975. Au bout de celui-ci, plusieurs démons se manifestent par sa bouche. Néron, Judas, Iscariote, Lucifer, Caïn.
vivait, Lord ! Elle hurle, elle mord, elle mange des insectes, s'automutile. Son comportement devient incontrôlable. Elle subira plusieurs exorcismes jusqu'en 1976. Parfois, les crises étaient tellement fortes qu'il fallait 3 hommes pour la maîtriser si on ne l'enchaînait pas. Malgré cela, elle put reprendre un semblant de vie normale, retourner à l'école, participer à un concours. Cependant, les crises ne cessèrent guère. De plus en plus souvent, elle se trouvait paralysée et inconsciente. Elle avait refusé complètement de manger. À la suite de cela, 40 cassettes audio furent enregistrées lors de ces exorcismes. Les sons présents dans cette vidéo sont des audios originaux de l'exorcisme. Le dernier exorcisme aura eu lieu le 30 juin 1976. Elle mourut le lendemain à son domicile à l'âge de 25 ans. Vers la fin de sa vie, Agnès affirma que la Vierge lui avait apparu pour lui prédire sa mort. Le rapport d'autopsie indique que son décès est lié à une sévère malnutrition et à une déshydratation consécutive à sa privation de nourriture pendant près d'un an. Un procureur fit une enquête à la suite de laquelle les deux prêtres exorcismes et ses parents furent inculpés de négligence ayant entraîné sa mort. Les prêtres exorcistes firent écouter les enregistrements des différents exorcismes qu'ils avaient pratiqués au cours desquels ils affirmaient pouvoir distinguer la voix de deux démons en train de se disputer, se demander lequel des deux quitterait le premier le corps d'Agnès. Connaissez-vous la légende de Bloody Mary? La légende de Bloody Mary veut que lorsqu'on est dans une pièce sombre, devant un miroir éclairé à la chandelle, que l'on prononce Bloody Mary 13 fois de suite, un visage de femme ensanglantée fait son apparition dans le miroir pour parfois s'attaquer à ceux qui l'ont appelé. Plusieurs façons différentes existent d'invoquer cette mystérieuse femme semblant d'ailleurs exister. La façon la plus populaire reste quand même la suivante. S'enfermer dans une salle de bain munie d'un grand miroir, y éteindre les lumières pour se trouver dans une noirceur complète et allumer 2 bougies que l'on placera à chaque côté du miroir. Fixer le miroir très attentivement et prononcer à voix basse, très douce, voire presque invitante, le nom de Bloody Mary. Puis tourner sur soi-même, tout en continuant de tourner, prononcer le nom de l'esprit de plus en plus fort, presque comme dans un chant. Pour qu'à la 13e fois, Bloody Mary soit implorée, presque en criant, à chaque tour sur soi-même. Fixer le miroir en passant. Au 13e tour, la réflexion du miroir aura à présent celle de la Vierge sanglante. À ce que l'on dit, la Vierge sanglante est effectivement effrayante, son visage recouvert de sang et ses mains devant elle qui cherchent à vous prendre. Pour quelques croyants, cette femme ne veut que vous effrayer en bondissant de l'avant vers vous. D'autres affirment que la Vierge sanglante vous attaque littéralement, vous laissant vous aussi en sang si vous ne lui échappez pas à temps. Oserez-vous essayer ? Connaissez-vous Slenderman ? Attention, je ne parle pas du jeu vidéo. Le Slenderman est généralement présenté comme un être humanoïde de grande taille, étrangement mince et aux membres anormalement allongés. Il est vêtu d'un costume cravate noir, on dit que celui-ci vit dans la forêt. Le but du Slenderman est de capturer les petites filles, mais nous ne savons pas pourquoi en faire. Certaines histoires le représentent même comme une sorte d'esprit associé aux arbres. Une mythologie s'est progressivement développée autour du Slenderman au fur et à mesure des années. Le Slenderman serait une créature surnaturelle, mythologique, qui existe sur la Terre depuis des milliers d'années, et qui a été vu un peu partout dans le monde. Nous allons désormais parler de la planche de Ouija. Je vous avais déjà parlé de cette planche lors de la vidéo « Ne faites pas ça » lors du Charlie Charlie Challenge qui venait de sortir. Qu'est-ce que c'est la planche de Ouija ? La planche de Ouija, c'est une planchette de bois sur laquelle sont représentées des lettres de l'alphabet en latin, les 10 chiffres arabes ainsi que les termes « oui » et « non » et « au revoir ». Ce dispositif est utilisé de manière la plus fréquente au cours d'une séance de spiritisme, notamment sur une table tournante. Elle est censée permettre à l'esprit contacté de se manifester et de manière intelligible en épelant les mots de son intervention. Attention, le Ouija n'est pas sans danger et celui-ci n'est pas un jeu. Les opinions diffèrent tellement au sujet du Ouija qu'il est difficile de parler de façon objective des risques qui l'entourent. Selon la plupart des amateurs d'essorétisme, les risques sont grands lorsque les séances sont faites de manière inadéquate. Bien que l'expression « jouer à Ouija » soit couramment utilisée, le Ouija n'est pas du tout un jeu. C'est un outil de communication utilisé lors des séances de spiritisme. Une mauvaise utilisation de la planche de Ouija peut avoir des cas de hantise et de possession. De plus en plus, en dehors des dangers ésotériques entourant la Ouija, plusieurs problèmes psychologiques guettent les gens qui l'utilisent de façon irréfléchie ou régulière. La paranoïa, la schizophrénie ou d'une sorte de dépendance ne sont que quelques exemples. En fait, il y a autant de problèmes possibles qu'il y a de types d'utilisateurs. La liste qui suit devrait vous donner quelques indices et sachez que plusieurs amateurs d'ésotérisme trouveraient cette liste incomplète. Il est possible qu'à certains moments, les réponses du Ouija soient constamment véridictes, ou du moins semblent l'être. Certains utilisateurs en profitent pour poser des questions sur leur relation amoureuse, leur futur ou leur mort.
Cette situation peut devenir très néfaste car la personne considérant ses réponses comme étant une vérité absolue s'expose à une influence par la force qui ne lui dit pas nécessairement la vérité et qui ne lui veut pas forcément du bien. Bien que durant certaines séances concluantes, les esprits contactés donnent des informations très précises sur le présent ou le passé, ils semblent généralement incapables de prédire le futur. Nous pourrions parler de la planche de Ouija pendant encore plusieurs minutes, mais je vais m'arrêter là. Je préfère vous dire juste une dernière chose, ne le faites jamais, c'est vraiment très dangereux. Un démon peut se faire passer pour un ange et vous faire beaucoup de mal, que ce soit à vous, à votre famille, etc. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié la vidéo des top 5 des histoires les plus effrayantes d'Internet. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le maximum de pouces bleus, à partager la vidéo. Et surtout, une dernière chose, faites attention à vous.